Treat me so mean, you're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you say so, I'll pack my things and go. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. Must be talking. Don't you come back. Must be talking. Don't you come back. I do not understand you. Don't you come back. Oh, baby, please. Don't you come back no more. Oh, regardez Twitter, dites donc, j'en suis devenu fou, dis donc, tu veux qu'on ait encore plus de travail après. Bon, non, parce que de toute façon, on peut rien faire avec l'autre connard. Excuse-moi, oui, mais on va pouvoir faire, crois-moi, là, j'ai organisé un truc, Cooper, on va pouvoir faire. Oui, mais il va falloir faire vite, parce qu'il commence à me casser les couilles. Oui, mais pareil. Et il va falloir qu'on parle... Tu as bien vu que j'ai failli perdre mon sang-froid. Je vois de Sterling, et bien joué le coup de la porte. Oui, c'était pas voulu, mais c'était bien mérité. Bon, ben voilà. Donc, on va avoir des nouvelles d'un monsieur qui nous dirait d'aller à un endroit particulier parce qu'il y aurait quelqu'un là-bas à regarder. À partir de quand, Sterling ? Il va s'organiser. Je vais avoir les messages. Il va en parler à notre ami commun, donc je pense qu'il fait référence à une certaine nièce, peut-être. Je ne sais pas. Je suis vraiment dans l'inconnu, la Cooper. Ce que je veux, c'est entendre craquer la loi. Tu vois ce que je veux dire ? Mais bien craquer, hein. je vais l'entendre. J'ai fait, mais j'ai pas de nouvelles. Hein. Oui, moi, certainement décédé. Il y a de fortes chances. Ça m'attriste au plus haut point, Sterling. Oui, bah je comprends. C'était ta nièce tout de même. Voilà. Écoute, viens. La loi. Voilà la loi. C'est la loi, c'est nous. La loi a parlé, Cooper. Non, mais oui. C'est vrai qu'il m'agace. Il m'agace. Il raconte n'importe quoi. Non, mais attends, il faut qu'on parle. 55, c'est le numéro du commandant. Non, mais est-ce qu'on peut le démettre de ses fonctions ? Cet homme est dangereux. Ils ont combien de commandants ? Allô ? Je ne sais pas. 55. Allô ? Oui, vous êtes commandant. Négatif. Vous êtes plus commandant ? Je n'ai jamais été commandant. D'accord, vous avez le numéro... vous êtes capitaine. Vous êtes toujours capitaine. J'étais capitaine. Négatif. Ah, d'accord. Bon, bah, je suis directeur exécutif du FIB. Oh, excusez-moi, monsieur. Désolé pour le dérangement. Il n'y a pas de ça. Bon courage. Au revoir. Tout le monde change de numéro très vite. Attends, je vais faire un tweet anonyme. Non, je vais pas le... Faites un tweet anonyme. Non, j'ai pas envie. Ça va mal finir. Ok, je le fais. Vous savez quoi ? C'est anonyme, prenons des risques. Aimons le danger, Sterling. Voilà, j'ai eu peur que ça soit pas en anonyme. T'as fait beaucoup de fois de Sterling, c'était un oui, c'est fait que ça, faut pas qu'on repère. Faut pas qu'on remonte à mais, moi. Mais vous êtes sûr qu'il faut pas remonter à toi ? Oui, non, à un moment j'ai eu un doute, mais c'est pas grave. Ça devrait le faire. Tu veux que j'en rajoute un peu ou pas ? Mais ça serait mieux que le message passe, Cooper, si tu veux mon avis. On vient de m'informer qu'il peut y avoir des recherches sur des tweets en anonyme. Oui, mais c'est pas grave, prenons des risques. Avec cette histoire de cookies. Moi j'ai prêté mon téléphone, personnellement, j'ai prêté à un monsieur qui voulait écrire un message. Bon, ben voilà, je l'ai pris. C'est vrai. Faut encore prouver les choses. En tout cas, vous l'avez pas fait. Écoutez, Sterling, vous aurez peut-être besoin d'un avocat. Et dans ces cas-là, je serai. Oui, c'est pas vous. Ah bah tiens, regardez qui voilà. Bah envoyez-moi tout par mail, s'il vous plaît, parce que là je suis débordé. J'ai 10 trucs à gérer. Bonjour, messieurs, dames, avez-vous besoin d'un avocat ? Et 10 trucs qui va mal gérer en plus. Mais envoyez-moi tout par mail. Si vous avez besoin d'un avocat peur après, mais pas pour le moment. T'inquiète pas, madame. Bon, je vous écris, je vais mettre tranquille sur une chaise, je vais tout vous réécrire. Ok, envoyez-moi tout par mail et je vais. Non, parti sur un banc. Ouais, ou sur un banc d'un si vous voulez porter plainte, c'est un agent du commissariat, hein. C'est pas un problème. Oui, monsieur, c'est oui, pas là, c'est... Je sais, vous inquiétez pas, monsieur. Vous inquiétez pas, c'est différent. Je travaille pour monsieur le procureur. Vous êtes policier, monsieur ? Et il travaille avec monsieur le procureur, apparemment. Je travaille avec monsieur le procureur, oui. Vous travaillez dans quoi, monsieur ? Je suis agent de sécurité, au pire, ça vous regarde pas, monsieur. Ouais, à vous. Désolé, mais. Si ça nous regarde, madame, ça nous regarde. Croyez-nous que ça nous regarde. Écoutez, changez de ton immédiatement, madame. Madame, changez de ton immédiatement, ça sert à rien de vous. Vous mêlez pas de nos affaires, ça nous regarde. C'est pas le ton, c'est pas le ton, ça sert à rien. Le ton, si j'ai envie, ça me fait plaisir. Non, c'est pas le ton, madame, ça sert à rien. Alors, allez voir ailleurs si on y est, hein, s'il vous plaît. Hein. Non, on y a été, vous y êtes. Changez de ton, madame, changez de ton immédiatement. Sinon quoi ? Sinon la loi se fera entendre, madame. Ah, parce que je vous ai mal parlé, je vais. Oui, madame. Mais ce n'est pas l'ancien agent. Oh, il a des expressions, monsieur, vous connaissez ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je sais pas, je comprends pas le baragouin. La liberté d'expression, vous connaissez ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Je ne comprends pas le baragouin. C'est sale. Moi, je vais aller me coucher, les gars. Vas-y, va te reposer, t'inquiète. Je te dépose à ton appart. Ouais, je viens.
Ça y est, Cooper, vous êtes devenu, pardon, excusez-moi Sterling, vous êtes devenu un paparazzi. Je peux vous aider, monsieur, à prendre des photos? Oui, vous pouvez nous aider, appuyez sur la gâchette au bon moment, madame, venez. Bah attendez, bah, allez. Non, vous démerdez. On va vous aider, venez, donnez-moi votre téléphone, enfin votre appareil. Peut-être demander avant de prendre des photos des gens, non, je sais pas. On n'a pas pris une photo de vous, vous inquiétez pas, vous passez pas dans le cadre, madame. Oui, sauf que même Non mais vous inquiétez pas, on a regardé les photos, il n'y a pas de tâche, hein. Il n'y a rien, tout va bien. Bon, c'est tout, ouais, madame. Bah, c'est vous qui faites tâche, hein, ici. Oui, il faut aller dormir, par contre, madame. Ouais, allez, bonne nuit. D'accord, allez. Voilà. Non mais je sais pas pour qu'elle se prend celle-ci. Enfin, elle m'a énervé. Oui, elle m'a énervé. Totalement con. Allez, totalement. Ça dégage. Hein. La loi, c'est... Oui, la loi... La loi, des fois, c'est con. Oui, il faut pas qu'elle nous casse les couilles parce qu'on connaît la loi, quand même. J'en rigole. Oui, mais rigolons. Madame, il faut toujours rigoler de ses affaires. Hein. Mais je rigole. Mais je rigole parce que c'est nerveux. J'ai envie de me refaire un cigare, mais... Je le mets dans le coin de la bouche comme ça. On l'allume pas dans un poste de police. Hein. Non, il est pas oh, tu commences à me les briser, cousine. Bien, je sors et tu fumes dehors. Monsieur, non mais monsieur, on vous voit, c'est un maître, hein. C'est maître au gros barreau. Hein. Au quoi? Au gros barreau, monsieur. D'accord, au gros barreau. Et vous êtes procureur, avocat. Donc il faut procurer seulement, monsieur. Et vous, restez au gros barreau. Oui, nous restons au gros barreau, vous inquiétez pas. Restez bien au gros barreau. Oui, ben on y reste bien tous les soirs de vendredi à samedi. Vendredi à samedi au gros barreau? Au gros barreau, monsieur. Le très gros barreau? Le gros barreau de la justice. D'accord. Un jour, il vous pénétrera, monsieur, sachez-le. Non, ouais, arrêtez vos conneries, là. Vous n'aimez pas la justice, monsieur. Monsieur, vous voulez pas être pénétré par la justice, monsieur. C'était malade. Monsieur... Il n'y a rien de malade ici, monsieur. Nous sommes des avocats, nous sommes des professionnels. Monsieur... Si vous n'aimez pas être pénétré par la loi, ça nous embête, monsieur. Oui. Et vous aimez être pénétré par la loi? On aime être pénétré par la loi. Nous pénétrons nous-mêmes par la loi. Nous pénétrons la loi, nous sommes auxiliaires de justice, monsieur. Et combien de fois par jour vous faites pénétrer par la loi? Autant de fois que la loi le voudra, monsieur. Et genre, est-ce que vous avez un sentiment de joie ou pas? Genre, non, nous ne faisons que notre travail, monsieur. On fait notre travail, monsieur, nous sommes... Allô, c'est deux plaintes? Oui, c'est bon. Allô, je vous entends maintenant. Ouais, aujourd'hui, c'est pas moi sans rire. C'est mes acouphènes. Oui, allô, je comprends. Non, 99, dites-moi. Est-ce que le commandant arrive, monsieur? Oui, ça devient long, là. Ok. C'est du Louis Vuitton, votre truc, là. C'est une belle monsieur. Effectivement, vous avez l'œil, okay. Monsieur. Ok, bah je vais descendre et je vais venir, j'arrive. Combien avez-vous acheté cette banane, monsieur? Oui, combien avez-vous acheté cette banane? J'arrive, c'est bon pour toi? $500, quoi. Ah, mais c'est du faux, ça, monsieur. Okay. C'est du faux, voilà. Regardez la couture, monsieur. Oui, la couture Louis est Vito, totalement dépareillée. $3000, monsieur. Là, vous vous êtes fait arnaquer. Hein. Oui, c'est une. Mais si vous ne demandez pas de me juger, voilà, c'est le moyen que je vous juge. Votre. D'ailleurs, vos chaussures, ce sont des Nike, n'est-ce pas? Non, c'est des Nike. Ça, combien vous les avez payés, monsieur? Ça, j'ai acheté très cher. Combien, monsieur? Mais au prix qu'elles sont au magasin. Vous allez voir, elles sont là-bas. Dites-nous, monsieur. Combien, monsieur? Les prix de votre mallette, à mon avis. Oh, croyez-nous que c'est du vrai cuir d'alligator, notre mallette, monsieur. Oui, mais oui, vous, monsieur, Nike, croyez-nous. Maintenant, que... j'ai acheté $750, monsieur. Mais vous êtes fait arnaquer de tout. Vous êtes fait arnaquer, ce sont des fausses, monsieur. Excusez-moi de tout le respect que j'ai pour vous, mais j'ai l'impression que vous êtes. C'est une édition limitée, hein. Monsieur. Regardez la marque derrière, l'étiquette non, est encore là. Elles ont été signées par Michael Jordan, je crois. Ouais, vous étiez presque, mais oui. Par ah, un qui, alors, professionnel si du niveau Jordan, de NBA. C'est moi, c'est Mandal LeBron James. LeBron James? Ouais, c'est lui qui me les a signés personnellement. Vous devriez porter plainte, monsieur, vous êtes fait arnaquer, oui. Hein. C'est pas grave, il y a sa signature dessus, donc ça oui, vaut non, mais c'est une fausse signature, monsieur. Mais comment ça, c'est une fausse signature? J'étais devant lui, Chicago Lakers, il est venu à Chicago, il était là, j'ai pris mes chaussures, j'ai demandé. Il a jamais été à Chicago, monsieur. Il a jamais été à Chicago. Il a joué contre les Bulls, bien sûr que si. Non, mais il a joué avec son équipe à l'extérieur, c'est ça? Ouais, il est venu à Chicago, moi je viens à Chicago, monsieur. Procureur. D'accord. Et c'était voir les matchs. En quelle il année, a joué contre Derrick Rose. C'était en 2000. Il est venu avec les Miami Heat en 2012-2013. Okay, votre champion. Chaussure date de 2016. Comment expliquez-vous ça? Ah, donc vous savez mieux que moi, c'est ça? Bien évidemment, monsieur. Je connais Air Force, la loi. Les Air Force. Vous connaissez, okay. Oui, il connaît la loi, monsieur. Donc, si vous il connaît la loi des chaussures. Mais excusez-moi, alors désolé, je retire ma plate. Il n'y a pas de mal, monsieur. Il n'y a pas de mal. Contre vous. Vous êtes trop fort, vous êtes un grand avocat. Non, nous sommes deux. Nous sommes Sterling Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. On est d'accord que l'homme qui porte plainte, c'est votre ami, monsieur. Bah, ouais, on se connaît depuis peu, mais ouais, pourquoi? Bah, il y a un problème. Vous savez qu'il porte plainte contre une avocate qui s'appelle Harvey, non? Oui, il m'a raconté l'histoire, oui. Et vous êtes au courant que cette dame Harvey sort avec monsieur le procureur et qu'il porte pas plainte contre la bonne personne? Ah bon? Bah oui.
Ah tiens, monsieur, venez voir, je dois vous parler, c'est important. Monsieur, vous avez fait une grosse boulette, monsieur. Pourquoi ? Vous avez porté plainte contre Madame Harvey, on est bien d'accord, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, et c'est sa femme ? Bah exactement, monsieur. Et vous portez plainte en plus au procureur, c'est pas à lui de prendre votre plainte. Et oui, vous réfléchissez pas. Il va falloir comprendre que le procureur de cette ville est un véritable escroc. Hein. Son but, c'est pas de prendre des plaintes, hein. Encore moins de les résoudre, monsieur. Parce que là je vais vous expliquer un truc, messieurs. Le procureur a mis la main mise. Il a mis la main mise sur ce commissariat. Voilà, ça lui appartient. Et il fait ce qu'il veut des lois et des jugements, monsieur. Bah, je vous promets que ça se passera pas comme ça, parce que la présidente, chacun est très bien. Pourquoi vous nous avez menti, monsieur ? Vous nous avez dit que vous travaillez pour ce monsieur, monsieur. Bah oui, pour lui. Ouais. Bah oui, pour lui, parce que je suis agent de sécurité, donc je travaille pour le gouvernement et je suis obligé de le sécuriser aussi, lui. À vous le sécuriser. Alors, j'ai une question. Venez, monsieur, il faut que je vous parle. Attendez, avez-vous le numéro de la présidente, s'il vous plaît ? Je vais l'appeler. J'ai des gros problèmes. Madame la présidente est malade pour le moment, je vais vous donner son numéro, mais vous l'appellerez. Attends, comment demain. Ça, la présidente ? Dites-moi. Oui, ça a changé. Dites-moi. Mais il est passé où, l'autre ? Il est démissionné. Elle est où, la présidente ? Elle est malade pour le moment, 31-34, monsieur. Sacré fièvre. La présidente ce soir elle est malade, elle était déjà pas bien hier, donc aujourd'hui elle sera pas disponible. Toutes mes condoléances. Après, ça se peut. En fait, les lois, c'est les lois, donc oui, même oui, si c'est oui, sa la femme. Mais la loi, on la connaît, mais le procureur ne la connaît pas. Non, mais lui, il la connaît pas. Il la connaît pas, la loi, monsieur. Donc, il va faire. Messieurs, il ne portait faites... jamais plainte auprès d'un procureur, c'est pas son métier, monsieur. Mais oui, mais il faut pas, monsieur. Il m'a dit, mais non, c'est exceptionnel parce qu'en fait, je lui ai dit. Il n'y a rien d'exceptionnel, c'est un escroc, monsieur, encore une fois. Hein. Mais je vous promets, il savait pas que j'avais porté plainte contre elle à la base. Hein. Oui, non, mais il savait pas. C'est ça le problème, c'est que. Il se mêle des choses qui ne le regardent pas. Exactement, monsieur. Comme ça, il a la main mise sur tout le commissariat, c'est très dangereux pour vous, monsieur. Mais vous êtes comme témoin que c'est fait ma plainte contre lui. On est témoin, mais on peut rien faire parce qu'il a l'air con, vous comprenez voilà. Ça Voilà, c'est bien résumé, coupez. Voilà, non, mais excusez-moi des mots, les mots non, sont. Non, mais c'est vrai, au bout d'un moment. Les mots sont violents, mais les mots sont justes, hein. Voilà. Donc c'est sa femme. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir un capitaine ou un commandant. Est-ce qu'elle est présente en ville, sa femme, ce soir ? Oui, bien sûr, c'est aujourd'hui que ça s'est passé l'accident. Alors, attendez, je vais l'appeler. On va voir s'il y a une réponse, celle-là. Mais moi, si je vais appeler un avocat, je lui ai demandé pour passer par lui, mais lui m'a dit va porter plainte. Oui, mais c'est moi qui vous ai dit ça, monsieur. Ah, mais voilà, donc moi, vous m'avez dit va porter plainte. Oui, mais pas au procureur, monsieur, je pensais que vous aviez un minimum de cerveau, excusez-moi du peu. mais en fait, ce que vous comprenez pas, c'est qu'on est en code rouge, ok ? Oui, mais code rouge, pas code rouge, le procureur n'a pas à prendre une plainte, monsieur. Il est pas. Et alors, vous attendez quoi, moi ? Vous devez demander au commandant. Mais il ne sert pas rien, la policier. Mais c'est ça le problème de cette ville, monsieur. Vous devez exiger au commandant de ne pas porter plainte devant le procureur, mais devant lui-même. Vous comprenez ? Je suis d'accord avec vous, parce que je connais aussi la loi des villes. Enfin, de la vie, pardon. Et c'est partout comme ça. Mais le problème, c'est que moi, je faisais confiance, vu que je travaille pour lui. Il m'a dit, t'inquiète, tu peux parler passer par moi, parce que là, ils sont occupés, je suis désolé et tout. Donc j'ai fait confiance. Mais c'est foutu de ma gueule, vous savez pas. Bon, la présidente n'est pas là, elle doit être malade. Mais je viens de vous le dire. Ah, et ben vous avez le numéro du commandant, monsieur ? Commandant ? Oui. Attendez, je vais vous donner ça. Apparemment, tous les commandants lâchent le numéro très facilement ici. Les commandants ont l'air d'être des petites victimes, hein, si je peux me permettre, Sterling. Après, monsieur, moi, c'est mon travail d'avoir ton numéro. Oui, bah j'entends bien, monsieur, j'entends bien. Elle répond, l'avocate ou pas, Nana Arnaud ? Moi, elle décroche plus au téléphone. Monsieur, bonjour. Vous êtes bloqué, monsieur. Oui, bonjour. Bonjour. Vous savez s'il y a quelqu'un de présent au commissariat ? Il y a quelqu'un de présent. Non, il n'y a jamais personne ici. Non, mais là, j'ai vu une voiture de police, donc croyez-moi, il y a quelqu'un de présent. Certainement. D'accord. Vous avez l'air bien remonté, en tout cas. Oui, on commence à en avoir marre qu'on n'est pas protégé par les agents de l'HPD. Et je suis d'accord avec vous, il va falloir qu'on se rebelle, hein, parce que là, ça va dans cette ville. Il y a une question de corruption, une corruption d'État. La vraie question, messieurs, c'est qui nous protège d'eux ? Mais la vraie question, monsieur, c'est qui ne saute pas, n'atterrit pas, monsieur ? Voilà, et la vraie question, monsieur, c'est qui ne sait pas, ne devine pas. Et la vraie question, c'est bien de s'occuper des grands bandits, mais il faut aussi s'occuper de nous, les citoyens, qu'on est là et qu'on leur demande de venir, mais qu'ils sont trop occupés à faire n'importe quoi, je sais pas où, alors que nous on a besoin d'eux devant à 100 mètres. Énervez-vous, monsieur. Ouais, ils étaient au parking et ils sont même pas capables de venir. Ma moto volée, je me suis fait racketter, je me suis fait tabasser, je les ai appelés. Mon collègue me suis fait taper, il les a appelés, pas moins de venir. Mais à un moment donné, on tape sur la table. C'est une bonne question, mais c'est une vraie question, ça, monsieur. Moi, je pense qu'il faut manifester. Exactement, messieurs. Parce qu'à un moment donné, faire des convois et nous dire qu'il y a des terroristes, ok, c'est leur travail, mais il faut savoir. Attendez. Il faut faire tomber des têtes, effectivement, et celle du procureur en premier. Voilà. Vous savez ce que je crois, monsieur ? Je crois que les terroristes sont pas là où on le pense. Vous voulez
voulez où je veux en venir. Oh, c'est bon. Je crois que les terrorismes sont dans une forme de dictature et utiliser la menace terroriste, c'est le meilleur moyen de passer sous une dictature. Voyez-vous, hein, je devine ces choses-là, je les vois, je les sens. Moi, c'est dire un truc, regardez. Peut-être postuler en tant que commandant dans cette ville. Il faudrait une section pour les terroristes. Une section comme ça, au moins, ils font des enquêtes. Il faut des bonnes, Il faut des gens normaux pour les citoyens ici. Donc, si on a besoin de au moins 4-5 patrouilles ici et au moins 50 hommes, je sais pas où. Mais là, c'est inadmissible d'avoir tous ces hommes sur un code rouge et nous, on s'en fout. Tout ça, c'est le procureur. Mais voilà, c'est n'importe quoi. Il faut faire tomber sa tête à ce petit con. Excusez-moi des propos, excusez-moi. Mais il n'y a pas que lui, il n'y a pas que lui qui est con, on dirait. Croyez-moi qu'il transforme les gens en gens cons. Mac Underwood, viré. Mac Underwood, viré. Il s'appelle comme ça. Bah dis donc, pique ton nom, Underwood, déjà c'est... Vous en pensez quoi, vous, monsieur? Parce que vous réfléchissez. Bah, je réfléchis à tout ce que vous êtes en train de dire, et c'est vraiment très intéressant. Bah oui. Et vous en pensez quoi, sommes intéressants, monsieur, tout à fait, nous sommes intéressants. Et je vous en remercie de porter intérêt à notre conversation. Vraiment, oui, non, vraiment, je ne m'attendais pas à avoir une telle conversation, mais là, c'est de plus haut intéressant. Vous nous dites que vous avez fini de réfléchir, monsieur. Ouais, j'ai des petites idées derrière la tête. En tout cas, tout ça pour dire, messieurs, que le problème majoritaire de cette ville vient du procureur. Il faut organiser quelque chose qui... Comment on fait tomber le procureur? Voilà, c'est la question. Un meurtre, Sterling. Non, Moi, j'ai une question à vous poser, moi. Oui, posez-la. Est-ce que, au lieu de toujours viser quelqu'un, ramener des problèmes, pourquoi vous ne ramenez pas la solution? Mais bah, vous croyez qu'on fait quoi? Vous croyez qu'on fait quoi, monsieur? Oui. Vous visez le procureur, ok. Il fait pas comme vous aimez bien. Je suis d'accord avec vous. Mais il faut faire quoi? C'est quoi le changement aujourd'hui? C'est la question qu'on se pose maintenant. Hein. Le changement, c'est qu'on va demander la destitution du procureur afin qu'il n'ait plus la mainmise sur le commissariat. Et en n'ayant plus la mainmise sur le commissariat, le commissariat n'aura plus la mainmise sur la ville. Voilà le problème. Voilà. Il faut couper les bonnes têtes, monsieur. Et qui remplacerait? Quelqu'un qui connaît la loi. Donc fou. Non, pas du tout. Mais comment agir quand nous sommes que des petites personnes dans cette ville? Eh ben, il faut regrouper. Vous savez, la loi ne compte pas sur la grandeur. La loi est grande. Faites confiance en la loi, monsieur. Mais ce sont eux, la loi. Vous pensez qu'on fasse une manifestation pour dire qu'on n'est pas d'accord? Je pense qu'il faut arrêter toutes les activités de la ville, taxi, ambulance, etc. Et manifester devant, a priori, ce qui est devenu le bureau du procureur, c'est-à-dire ceci, ou devant le Capitole. Ouais, je... D'ailleurs, rentrons dans le Capitole. Je vais demander à parler au commandant, j'en ai marre de toutes ces conneries. Oui, c'est vrai, ça nous agace, cette histoire. En tout cas... Nous sommes auxiliaires de justice, rentrons. Rentrons dans la maison du procureur. Oui, bah a priori, nous sommes chez lui. A priori, c'est un commissariat vide, Cooper. Bon, que faisons-nous, du coup? Est-ce qu'on passe un message sur Twitter? Allez, je m'en occupe. Ouais, dis que le commandant est attendu au commissariat. Pour une affaire urgente. Et importante. Voilà, je pense que j'ai envoyé un code qui pourrait être pas mal. Tu veux que je t'explique le problème qu'on a, Sterling? Il y en a plusieurs, je pense, Cooper. Oui, bah oui. Mais dès qu'on commence à avoir raison face au procureur, il fuit la conversation. Oui, non, mais ça, oui, mais oui. Non, mais ça fait qu'on peut pas... Non, mais y a rien. On peut pas jouer nos rôles, si tu vois ce que je veux dire. Oui, ah oui. Nous sommes avocats et on peut pas jouer nos rôles. Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'un petit cassage de jambes, quelque part, ce n'est que rappeler un rappel à la loi. Tu crois qu'il va venir? Franchement, non. Vous n'avez pas une grenade sur vous, par hasard? Non, j'ai que de la grenadine. Que de la grenadine, d'accord, j'entends bien. C'est une petite grenade. Ouais, leurs interventions de 2 heures. Bon, alors, allons nous balader. Oui. En deux temps oui. Excusez-moi, c'est... Oui, y'a pas de mal, y'a pas de mal. Mais j'ai tendance à oublier ces choses-là. Oui, c'est pas grave. Attends. Ah, c'est pour toi le klaxon, je pense. Non, c'est moi qui klaxonne, Sterling. Ah d'accord, oui, c'est pour toi. Non. Oui, monsieur. Ça va bien, messieurs? Ça va, vous? Oui, oui, dis-moi. Non, quoi, vous allez bien. Oui, oui, mais attendez, on voit ça après. Est-ce que vous savez où est l'intervention de la police? Je crois que c'était au niveau du FIB. Si le commandant vient pas, nous, on va aller à lui. Et c'est où le FIB? Attendez, je monte dans votre véhicule, je vous mets le point. Mais mettez-moi un point. Faites attention, hein, ça risque de tirer à tout moment, par contre, là. Oui, bah, on connaît la loi, monsieur. Doucement, le point, monsieur. Merci. C'est un très beau point, merci monsieur. Merci beaucoup. Heureusement que vous avez des gants, monsieur. Écoute, s'ils veulent pas venir à nous, on va aller à eux. Hein, parce que les interventions, il n'y a plus personne dans le commissariat. Oui, parce que rouge écarlate, j'ai 24. Nous aussi, on va devenir rouge écarlate. Y a-t-il de l'activité au nord, Cooper? Je sais pas, j'en ai rien à foutre, Sterling. Oui, je comprends. Il n'y a déjà pas d'activité au sud. On en a marre, Cooper. Manifestons notre mécontentement. Allons-y comme ça, Sterling. Oui, oui. On arrive comme ça et on klaxonne. Non mais, il y a des gens qui sont en train de prendre... Qu'est-ce que c'est que ça?
Qu'est-ce que c'est? Garde-toi. Il faut qu'on en sache plus. Tout va bien, messieurs. Nous connaissons la loi. Nous sommes vos avocats. Nous sommes vos avocats. Ne tirez pas. Lève les bras. Demande radio. Comment ça, vous avocat au groupe? Il y a deux avocats qui viennent d'arriver apparemment. Moi, tu lèves les mains d'ailleurs. C'est des gens qui nous ont demandé de venir ici, messieurs. Oui, on nous a demandé que vous avez réclamé des avocats. Mettez-vous à genoux pour le moment. Restez là assis. Attendez, comment on lève les mains? Je ne sais plus comment lever les mains. Je suis pris. Avance. Faut y aller encore. Oui, on y va, messieurs. On y va. Tournez-vous, on va vite vous fouiller. Oui, fouillez-nous, messieurs. Vous avez rien de dangereux sur vous? On a le gros barreau de la justice avec nous, messieurs. Non, ils ont rien. Okay. Vous avez un téléphone, une radio? Si vous avez un téléphone, je vais vous demander. C'est tout, on a un téléphone, Vous pouvez vous demander d'enlever la batterie du téléphone? Voilà, tout à fait. C'est fait, monsieur. De toute façon, personne ne vous appelle. Je la jette, regardez, je la jette sous le pneu. Voilà. C'est parfait. Regardez jamais à vos pieds. Je me cache au cas où. On en fait quoi deux? Nous sommes avocats, on peut vous aider, messieurs. On va s'en servir. Servez-nous. Oui, d'ailleurs, vous pouvez réclamer en revendication le commandant, s'il vous plaît. Oui, demandez le commandant. On doit lui parler. Attendez, juste, on s'arrête de parler deux secondes. Oui, bien sûr, monsieur. On finit, maintenant vous allez avancer et on va aller voir. J'ai trouvé comment on lève les mains. Parfait, avancez maintenant. Avancez, oui, et vous allez vous diriger vers la voiture verte. Allons-y. À gauche, prenez à gauche. Oui, à gauche. Bien, Cooper, suis-moi, n'aie pas peur. Je te suis, Sterling, n'aie pas peur. Voilà, et là vous mettez à genoux. Un point de détail, s'il vous plaît. Allez, arrêtez-vous. On s'arrête. On est à genoux, Sterling. Oui, je ne sais pas. On peut rester debout, messieurs, s'il vous plaît. Tu sais comment on dit abandonner en anglais? Abandonner. Non. Abandoned. Surrender. Je vais te faire un cours d'anglais, c'est surrender. Sur qui? Surrender. 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 Ça m'aide pas beaucoup, hein. Allez, mettez-vous à genoux là, plus vite que ça. On est sur le bitume, monsieur, on n'est pas surrender. Je vais tuer. Ah, mais j'ai pas compris, hein. Oui, j'ai pas compris. Oh, là là. Le surrender. Surrender. T'as raison. Ah, Michel, les agents au niveau des rails, Michel. Voilà, nous sommes sur Under, messieurs, ne tirez pas. La révolteur, Michel. Deux otages qui se rajoutent à la partie. C'est une belle partie. C'est un événement national. Bah, apparemment, ils sont venus. Peut-être qu'ils avaient. Pourquoi la police n'a pas bloqué l'accès à la prison? Ils sont au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que j'en déduis? Monsieur, bien le bonsoir. Oui, bonsoir. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Nous participons à votre manifestation. Nous sommes avocats au gros barreau, monsieur. C'est pas du tout une manifestation, malheureusement. Vous êtes otage, là, à l'heure actuelle. Vous êtes au courant? Oui, regardez ma main qui tremble. Je la vois là. Voilà, nous tremblons, monsieur. Est-ce que vous pouvez tuer le procureur ou pas? Est-ce que si vous voyez le procureur, vous pouvez tirer? Il est pas présent, sinon je vous réclamez-le, pas que... réclamez-le et tuez-le, s'il vous plaît. Vous voulez qu'on le réclame? Oui, je vous donne 10 minutes là. Moi, c'est plutôt. Comment il s'appelle? Azad, que je veux. Vous le connaissez ou pas? Tuez qui vous voulez, hein. Tuez qui vous voulez, monsieur. Vous juste le procureur, c'est tout. Oui, voilà. Vous avez son numéro, je vais l'appeler au pire. Oui, je l'ai. Je peux regarder mon téléphone. Ouais, regardez votre téléphone, tenez, je vous donne. C'est pas des avocats, eux, à la base des bases? Si, c'est des avocats. On connaît la loi. Vas-y, donne-moi le numéro du procureur. C'est le 9855. Il s'appelle comment? Daroud, non? Il s'appelle... Connard. Vous l'appelez Connard. Connard. Voilà. Allô, Connard. Voilà, c'est très bien. Tu me reçois, Connard? Il y a une manifestation, là, actuellement. Tu veux pas venir participer? Ça commence à m'impatienter, Romain. Tu veux pas venir participer? Il y a une manifestation, actuellement, là, devant les bureaux du FIB. J'aime bien ce monsieur. Si jamais ça se passe mal, sachez qu'on sera vos avocats. Monsieur, comment? Deux avocats qui tenaient à vous inviter à la manifestation. C'est quoi vos noms, monsieur? Michel. Sterling et Cooper, c'est ça? Sterling et Cooper, monsieur le procureur. Dites-leur qu'ils sont en otage, il va vouloir venir. Ouais, ils sont en otage en vrai, pour tout vous dire. Mais il est là, le procureur, avec la casquette vous en face. Vous voulez pas venir participer un peu? Il est en face, le procureur, monsieur. Il est en face, ah, il est en face. Avec la casquette. Ah bah vous êtes là, monsieur le procureur, je vous fais un coucou, vous les voyez là à ma gauche ou pas? Oui, tirez, monsieur, il faut tirer. Il a mis un casque pour pas lui, c'est pas lui, c'est pas lui. C'est lui, il est habillé pareil. Ah oui, il est habillé pareil. Ah bah monsieur le procureur, vous êtes démasqué, hein. Il se fout de votre gueule. Tirez, monsieur. Ok, monsieur le procureur, à la prochaine. Donnez-moi une gâchette que je tire. Donnez-moi une arme, monsieur. Il faut tirer là maintenant. Oui, vous savez ce que vous allez faire. Tous les otages, non. Venez avec moi. Oui. Les deux. Avancez vers là-bas, là. Oui. Vas-y, avancez. Sautez la barrière. Vous êtes avocat, mais vous avez dû faire un minimum de sport. Oui, on a fait du sport. On connaît la loi et le sport, monsieur. Regardez, hop. Voilà. Et voilà, et parfait. Dans tous les cas, on va en prendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous mettre à côté des deux copains. C'est obligé. Hop, mettez-vous à côté des deux, là. Oui, monsieur, vous allez bien? Monsieur, c'est pas mieux si je les mets un peu plus vers là-bas, là. Enchanté, monsieur. Qu'est-ce qui se passe, du coup? Ça vous est déjà arrivé de défendre vos preneurs d'otages?
Ah bah oui. Bien oui, oui, okay. En 1986. On fait notre métier. Vous savez, comparé au procureur, nous on est là pour vous sauver la vie, okay. Monsieur. Tout à fait. Ah parfait, vas-y, agenouillez-vous les deux autres. Allez, non, on préfère rester debout. Hein, on veut voir ce qui se passe. Parce que si on n'est pas debout, on voit pas ce qui se passe. Ok, c'est bon, on a trouvé. Vous revendiquez quoi, messieurs, au passage? Vous avancez là, tous, levez-vous. Bah, pour une fois que j'ai trouvé, monsieur. Allez. Non, mais il a trouvé comment ce surrender. Allez, lève-toi. Lève-toi là. Oui, mais deux secondes, ne l'agressez pas, monsieur. Je suis vieux, moi, monsieur. Allez, avancez. Il est avocat, il est pas gymnaste. Monsieur, sachez que vous aurez peut-être besoin de nous dans votre vie. Est-ce que je dis à mes gars, si jamais ça part en couille, mes gars qui sont posés en bécane, de tirer sur les flics et pas sur les. Bah oui, il faut pas tirer sur nous. Oui, oui, sur l'homme en blanc, sur l'homme en blanc. Mais tirez sur l'homme en blanc, le procureur. L'homme en blanc, n'oubliez pas. C'est qui l'homme en blanc, là? L'homme en blanc, c'est le procureur. C'est le procureur, c'est celui qui veut votre tête, monsieur. C'est celui qui veut vous voir mourir, monsieur. C'est celui qui va ordonner à la police de tirer. Qu'est-ce que c'est que ces deux énergumènes d'avocats? Bonjour, monsieur, enchanté. Sterling Bonjour. Cooper, avocat. Sterling Cooper, avocat au gros barreau. Comment puissions-nous vous aider, monsieur? Vous défendez des gens, vous? Bah oui, on vous défend, vous. Vous? Non, non, moi j'ai pas besoin de défense, moi. Si, si, vous avez besoin. Un jour. Là, c'est soit je meurs, soit personne m'attrape. Oh non, ne dites pas ça, monsieur. Vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas. Protège-le, Cooper. Protège-le. Je vous protège, monsieur. Je vous protège. Va avec les otages. J'ai pas besoin de protection. Avec la loi, arrête de bouger, Sterling. Oui, il a pas de problème. Reste avec la loi, je reste avec la criminalité. Non, mais la loi, elle est faite pour vous, les criminels. La loi, elle est faite pour être criminel, des fois. Des fois, je dis des fois, pas tout le temps. Avez-vous tué le procureur, monsieur? Non, j'ai pas tué le procureur, j'ai tué 62. Non, mais le procureur. Tu veux pas avancer un peu parce qu'il parle beaucoup. Vous m'entendez dans la voiture ou pas? On est avocat, on a l'habitude de faire des plaidoyers. Est-ce que vous m'entendez? Bah, pourquoi vous me répondez pas en fait? Parce que t'avances, t'entendais pas. Faites un call radio s'il vous plaît, faites un call radio, que la voiture derrière laisse une place du côté droit pour que le cas puisse monter. Oui, c'est le moment de nous faire un câlin, on va peut-être pas se revoir, monsieur. Et... Ce sera peut-être la dernière fois. Merci beaucoup, j'adore l'affection que vous apportez. La loi, en tout cas, merci beaucoup, monsieur, de ce câlin. Hein. Merci à vous aussi. Mais non, c'est important. Oh bah j'ai trouvé. Oula, je sais pas ce que j'ai fait là par contre. Peut-être pas non. Non, ça va aller. Waouh, quel lancer. Faut quoi là? Waouh, c'est l'heure de jouer là. J'ai vu la balle partir, c'est allé loin. Oui, elle est partie loin celle-là. Vous allez bien, monsieur, j'espère que vous paniquez pas. Ne paniquez pas, monsieur, nous connaissons la loi. Nous connaissons la loi, il n'y a pas besoin de paniquer, monsieur. Bon, quand ils vont faire une accélération, il faudra peut-être paniquer à ce moment-là. Ouais, en plein milieu de la route, ils sont là. Moi, je crois que je vais pas oublier de mettre un coup de crosse dans ta gueule, l'avocat, si tu continues. C'est pas gentil. Ah, il parle à vous, sympa, monsieur. Voilà, pour être gentil. Ils sont professionnels. Mais nous sommes là pour vous sortir d'affaires, monsieur. Ah, merci, c'est gentil, j'apprécie, je vous laisserai un petit billet. Ah, bah ça, c'est très bien. Mais voilà. Vous me donnerez votre rib. Voilà, 5733, le numéro de téléphone, notez-le. Ah, bah disons, tu fais toutes les positions aujourd'hui, Cooper. Mais celle-là, elle est bien, celle-là, je l'aime bien. Tu te soumets bien. Soumets-toi, Cooper. Oui, mais je me soumets, c'est quand même des terroristes. Je vais essayer de me soumettre également. Tout le monde se soumet. Voilà, on se soumet, s'il vous plaît. Oh, je n'y arrive pas, Cooper. Regarde ça, j'essaye. J'essaye, mais je n'y arrive pas à me soumettre. Ça m'embête. Oh, coup de feu. Oula. Ça a tiré. Coup de feu, les gars, faites gaffe. Est-ce que vous voulez qu'on se mette devant les vitres de vos voitures? À terre. Oh non. Oh, relevez-vous, je vais vous arracher le crâne. Ça ira plus. Relevez-vous alors. Oui, bien sûr, monsieur. Ok, on décolle. Une fois que tout le monde est dans le véhicule, on laisse les otages et on bouge. Les meilleurs conducteurs dans les voitures. Ah, j'arrive. Tenez-vous tous prêts à partir là. J'ai de la place ici, j'ai trois places ici. On s'éparpille, faut qu'on s'éparpille, nous. Nos membres, faut qu'ils s'éparpillent dans toutes les voitures. Oh là. Oula. En tout cas, la police s'occupe bien des otages, hein. Regardez. Oui, on est bien. Voilà. Elle s'en bat les couilles. Hein. Merci, la SPD. Oui, c'est vraiment pris, une bonne police. Ça. Oui, il prend notre voiture. Il prend notre voiture. Vous allez bien? Bah, vous venez d'écraser Sterling, monsieur. Écoutez, mettez-vous sur le côté. Allez, montez, commandant, montez. Monsieur le commandant, pourquoi vous parle après? Monte, vite. Bon, j'y vais tant toi. Mets ta ceinture. On va les rattraper. Non, Sterling, s'il te plaît. Descends. Mais on n'a pas eu d'accident encore. Allez, ça va pas du tout, Sterling. Il faut vraiment pas toucher le volant. Hein. Oui, je sais, c'est pas facile. Ils sont partis par où par contre avec des conneries? Je ne sais pas du tout, Cooper. Qu'est-ce que c'est? Crois-moi, ils vont avoir besoin d'avocat. Mais il y a des gens tout nus là. Il l'a renversé. Des codes d'action. Attends, va voir ça, c'était une agression ça. C'est une agression ça.
J'en ai marre, Sterling. Il tue, nous. Bon, allez, mets-moi le commissariat. On va essayer de parler au commandant. Sterling, on a oublié ton batterie. Ouvre la boîte à gants. J'en avais une autre dans ta boîte à gants. Oui, j'en avais une autre. Voilà. Et tu peux me recharger mon téléphone aussi. Oui, bien sûr, sans peine se peut. Hein. Bah oui, mais il faut toujours avoir des batteries. Tu sais, les batteries au lithium, ça explose vite. Les batteries au lithium, c'est important. En tout cas, ils ont une belle protection de l'accès à la prise d'otage par la police. On a apprécié le procureur qui va sur les lieux avec un masque. Oh, bah tiens, là, ça m'a tout donné. Oui. Et il décroche et il dit que c'est pas lui, hein. Oh, bah, oui, oui, tu t'es trompé. Bon, on attend la fin de la course. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes scénarios ici, hein. Oui, la vie est parfois... En tout cas, on a été de très bons otages, mon ami. Je suis fier de nous. Tu as su garder ton sang-froid, même si tu as eu du mal à t'agenouiller. Oui, mais les rhumatismes. Bonsoir, monsieur. Me dites pas que vous attendez depuis tout à l'heure. Non, on a été pris en otage, monsieur. Non, on a été pris en otage. Ah, d'accord, ok, pas de soucis. Rien de grave. Et ils vous ont vite relâché, non? Parce que vous étiez sur moi. On a été pris en otage la tête. On a été professionnels. Et voilà, on a été professionnels et la police s'en foutait. Vous leur avez dit que vous étiez d'accord avec vous et que le procureur vous énervait? On leur a dit beaucoup de choses. Peut-être des mots qui ont dépassé nos propos, vous savez. Parfois, je me demande s'il faut pas prendre des gens en otage pour parler aux gens. Oui, j'ai bien l'impression, oui. J'ai l'impression que toutes ces prises d'otages ne mènent à rien. Bon, ben voilà, retour au point de départ. On va peut-être pas tarder à aller au lit, hein, mon cher Sterling. Oui, 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 c'est ce que j'étais en train de me poireauter dans ma tête. Poireau-toi. Il nous faudrait une voiture plus claquante, je pense. Oh, nous sommes qu'avocats, hein. Oui, mais nous avons commencé à avoir des... Il faudrait une voiture d'avocat, avec nous. Oui, mais le parking, Sterling. Oui, bien sûr. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Oui, j'ai voulu changer de parking. Oh, regarde, attends. Oui, sirène. Oh, bah dis donc, Coupin. C'est peut-être le commandant. Ils sont par où? Mais ils sont tournés à gauche, en fait. Là, encore tu à tournes gauche? À gauche, encore. Encore une gauche. Et maintenant? Tu prendras la prochaine à droite, Coupin. D'accord. Pas directement là. Voilà, il doit être dans le coin. On entend plus de sirène, Sterling. Ouais, dans un tunnel, ouais, c'est ça, dans un tunnel. Oh, bah là, voilà, il y a peut-être besoin d'avocat. Je veux leur demander, Sterling. Oui, excusez-moi. Oh merde. Oui, j'ai fait le mauvais geste, Cooper. Il n'y avait pas une voiture de police qui était passée ici? Je ne sais pas, Cooper. Bon, allez, rentrons. Faudra réparer la voiture un jour, Sterling. Moi, je vous propose qu'on en rachète. Là, j'en ai pas. Viens, on peut faire réparer notre voiture ici, non? Oui, certainement, il répare. Oui, n'importe qui peut acheter un taxi, oui. C'est... Ah, il y a le mécano aussi. Il est fermé ici. Messieurs, bonjour, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, monsieur. Est-ce que vous pourriez réparer notre auto, monsieur? Ah, mais je ne répare pas de véhicule, moi. Bah, et pourtant, vous avez plein de véhicules, monsieur. Oui, il y a une clé à molette. Il y a une clé à molette, monsieur. Tout à fait, mais non, c'est... Je ne répare pas de véhicule, je rachète... Regardez, monsieur, regardez, venez voir. La réparation aurait besoin d'être faite à ce niveau-là, en fait. Ah ouais, mais moi, je peux rien y faire, comme je vous ai dit. Il faut aller où, monsieur? Il faut aller réparer. Il faut aller directement au mécano. Il est où, le mécano? Allons au mécano, Sterling. Vous ne savez pas où est-ce qu'il est, le mécano, monsieur? Vous avez une GPS ou pas dans cette voiture? Oui, monsieur, on a un GPS. Bon, bah, attendez, je vais vous montrer où est-ce qu'il est, le gentil petit mécano. Lui, il a une clé à molette, mais en plus, il a une tournevis. Ah, ben c'est parfait, ça. Mais merci beaucoup, monsieur, de votre grand plaisir et de votre gentillesse. Merci à vous, monsieur. Bon courage. Merci. Il y a un hélicoptère coupé au-dessus de nous. Tu crois qu'il nous suit, Sterling? Oui, je pense qu'on est pris en pilote. Non, c'est vrai? Non, mais il est juste au-dessus de nous, mais c'est pas pour nous. J'ai une panne d'essence, Sterling, c'est la merde. C'est vrai? Tu vois pas que on est arrivé, Cooper, ça va aller. Pire, tu pousseras la voiture. Ah, et là, c'est tout droit, tu ne t'arrêtes plus, Cooper. Voilà, rentre dans cette bâtisse. Je vais frapper à la porte pour voir s'il y a quelqu'un, Cooper. Je suppose qu'il n'y avait personne, Sterling. Oui, allô? Oui, bonjour, c'est le garagiste. Oui, bonjour, c'est Sterling et Cooper, avocat au gros barreau, monsieur. Oui, ok, monsieur. Vous avez besoin d'un coup de main? Oui, nous sommes devant le garage Los Santos Custom. Bah écoutez, bougez pas, j'arrive de suite, ok, monsieur? À tout de suite, monsieur. Allez, à de suite. T'as de quoi payer le jeune homme? Oui, j'ai de quoi faire les règlements. Les 2000 dollars de l'autre. Oui. Bonjour, messieurs. Ah bah vous faites tous les corps de métier, dites voir. Oui, dis donc, mais je suis mécano, je suis le patron. Voilà, monsieur. Patron. Voilà, notre auto a un souci de percussion, monsieur. Ah oui, bah oui, je vois. Quoi, tout à l'heure, vous avez jugé. Messieurs, il va y en avoir pour à peu près 1000 et 1200 dollars. Ça y est, bon, monsieur. Non, je dirais 1100 de l'un, monsieur. Ah non, 1200, monsieur. 1000, c'est le prix des pièces. Je ne peux pas descendre plus bas, monsieur. Ah bah, malheureusement, c'est ça. Il faut que j'aille dormir. Faites-le pour moi. Allez, 1200, allez, mon collègue, faut qu'il aille dormir. Disons 1280. Allez, c'est pas fait. Allez, dis adieu, il faut qu'il aille dormir. Voilà, monsieur, je m'occupe de votre voiture.
Voilà, tout à fait, c'est pour Emma. Ah ben disons, il y a tout le monde maintenant. Eh ben, vaut mieux plus que pas, ça. Ça vaut quoi? Monsieur! Oui, dites-nous. Mais votre véhicule, il a plus d'essence. Bah, vous allez oui, voilà, faut le réparer, monsieur. Oui, mais je pourrais pas remplir l'essence, on stocke pas d'essence. C'est grand beau gosse. Ça se recharge, bah attendez, bah oui, mais... J'aime bien le chapeau. Je peux non, mais on n'a pas de réserve. Comment? Je peux taper le biscotte. Tenez. Ah bah allez-y, mettez de l'essence. Ouais, monsieur, prenez-le dans le prenez-le dans le coffre et mettez l'essence, monsieur. Comment on fait, monsieur? Bah, je pense qu'il faut quand même aller à une pompe à essence. Bah, Cooper, hein. En fait, ne soyez pas méchant. Monsieur, ici, là, au réservoir, ici, là. Mais oui, au réservoir, Cooper, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Allez, verse dans le réservoir. Allez, en met dedans, Allez, le Cooper, il faut mettre dedans. Dans le réservoir, on a des Cooper. Non, mais j'ai pas envie. Vous pouvez stocker la voiture ici, cette nuit. Il a besoin de quoi? De mettre de l'essence? Oui, monsieur. Je vais lui mettre, moi. Oh, super. Ah oui, vous pouvez faire ça. Mais comment vous faites? Bah, il vise dans le trou, mais voilà. Ah bah oui, mais voilà, mais... il met. Vous pensez que ça suffit? Oui, vous en avez mis un peu partout quand même. Hein. Oui, un peu partout quand même. Le trou, il est trop petit. Oui, on est d'accord, monsieur. Ouais, donnez-le-moi si je vais mettre dans la bouteille. Je vais prendre une bouteille en plastique. Le trou, il est trop petit. Hein. Attends. Monsieur, vous pouvez réparer le véhicule? On peut le réparer, oui, mais il va pas beaucoup rouler. Hein, sans mais au moins, il sera réparé. Au moins, il sera réparé. Vous avez payé, ouais, monsieur. T'as un briquet? Oui, non, mais vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Allez, on le pousse, vas-y, venons le pousse. C'est un professionnel faire son travail, vous inquiétez pas. Regardez comme il fait ça bien. Ça fera 4000 hein, les réparations, monsieur. Non, c'était 1200. Non, ça fera 1200. Nous connaissons la loi et vous ne pouvez pas usurper la loi. Oui, essayez pas de nous la faire à l'envers, monsieur. Je suis pas garagiste, moi. Ben voilà, non, donc ne parlez pas. Prends la voiture en salle. On n'a pas d'essence. Donne-moi ton jerrycan. Comment on fait? Il est dans le coffre. Prends la voiture en salle. Il est dans le coffre. Il est dans le coffre. Oui, donc le dossier 46B était essentiellement... Faut qu'on passe vite, faut qu'on parte, gros. En rapport avec les altérations Omega. Mais t'as payé ou pas? Oui, ça s'est fait. Ah bah voilà. C'est payé, monsieur? Oui, bien sûr, c'est payé, monsieur. Vous pouvez y aller, alors. Ah bah allons-y, game. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas. Allez, merci. Attendez, en deux fois. Toujours. Et très belle réparation, au demeurant. Oui, très belle. Vous avez trouvé, monsieur? C'est bon, monsieur. En plus, c'est réparé, tout va bien. Oui, c'est réparé. Mais lui, il a des tournevis en plus, donc c'est plus pratique. Oui, c'est vrai. Il faut reconnaître. Voilà. Bon, ben, bon courage, monsieur. N'hésitez pas à passer. Nous, sachez que vous êtes venu tout à l'heure. On a des véhicules d'occasion. Eh ben, on passera, monsieur. Ça nous intéresse. Avec grand plaisir. Bon courage. Merci, monsieur. Merci. La plus proche, elle est à 1 km. J'en ai rien à foutre hein, de ces trucs à la cour. On a d'autres choses préoccupantes. Hein. Je crois qu'on n'y arrivera jamais, Cooper. Regarde, des fois il y a des petits coups d'accélération. Waouh! Tu sais ce qu'on dit quand il reste une goutte, on va au bout. Bon, j'ai eu peur, Sterling. On y arrive bientôt. Ça recule, Sterling. Bon, attends, Cooper, on y va en marche arrière. Oui, comment ça? Oui, c'est pas belle, Cooper. On est bientôt arrivé pourtant. Mais c'est... Attendez, j'ai une idée, Cooper. Attends, laissez-moi me concentrer sur la marche arrière. Oui, continuez quand même votre idée. Oui, mon idée, c'était que je prenais un véhicule et que je vous poussais. Mais non, mais on peut pas prendre de véhicule, Sterling. Oui, c'est vrai. Donc tu m'aides à faire ma marche arrière et tu me guides. Voilà, tout droit. En tout cas, c'est bien d'avoir un jerrycan d'essence et pas pouvoir le mettre. Oui, bien sûr, bah oui, forcément. Je prends un peu l'air. Oui, prends l'air, je comprends. Allez, on y est presque, Cooper, encore 190 mètres. Oh, la pente, on n'y arrivera jamais. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je cherchais voir s'il y avait... Bon, vas-y, on dort ici. Allez. Oui, dormons. Allez, passez une bonne nuit. Bonne nuit, Cooper, bonne nuit. Bonne nuit, Sterling.